Eh bien, bonjour à tous, c'est Routier du 31. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Un car vlog, donc c'est le car vlog 3. C'est pas qui, comme vous l'avez vu, si vous savez lire, lol. C'est la Catalogne. Alors, franchement, je vais le temps que je m'étais laissé en fait pour le faire. Je vais vous expliquer un petit peu le voyage. Donc, actuellement, quand je vous mets, on est à Igualada. Donc, je pense que pour ceux qui connaissent déjà, on t'a vu dans un premier temps. Et dans un second temps, ben, c'est à côté de Barcelone, hein, vous avez vu les indications sur le côté. Je m'entends, ça a une heure de route quand même. On a fait Igualada, Manresa. Manresa, j'ai coupé. J'ai voulu normalement vous reprendre à. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est du côté de Gérone, ça par contre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'étais au téléphone. Alors, oui, je vous spoil un peu la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, on allait jusque là-bas, j'avais fait tout ça en off sur autoroute parce que j'avais pris l'autoroute. Je suis sorti, j'ai fait avec vous un tunnel qui allait quasiment jusqu'à Olot. Donc on se rapproche vraiment de la France quoi. Et à Olot j'ai coupé et puis normalement je voulais vous vloguer en France. Ah ben j'ai dit ouais, je vais vous filmer. Voilà. Sauf qu'en fait, j'avais vu qu'il y avait un berger avec ses agneaux en plein milieu de la route, enfin plein milieu, au niveau d'une station service. J'étais en mode what the fuck, je me suis dit allez ok, on va quand même, je l'ai quand même règle pour le plaisir, j'aurais pu vous mettre des roches de montel, mais voilà, la mais voilà, OZEF. Et puis comme ça après c'était bon. Normalement j'étais pas censé me faire démonétiser et y a intérêt sinon je vais faire mon truc. Je vais vraiment m'énerver. Alors abonnez-vous à mon Instagram, le routier 31. Vous pouvez me DM. Vous pouvez me DM, même m'appeler. Bon, par contre, si vous m'appelez par Insta, vous ne verrez pas mon cache. Parce que je ne veux pas être caché. Et puis voilà, j'ai que ça à vous dire. Donc là, moi, j'ai le timing. Je vais vous laisser. Comment vous êtes? Ciao. En gros, vous pouvez. Nord de Saint-Céloni, Granollers, Vallarina. Vous pouvez vous dire. Donc en gros, arrivée de Barcelone. Entrée, sortie de Barcelone. C'est des petits dossiers.
eu un nouveau téléphone. Elle a eu vraiment un téléphone prix de caméra. Alors attention, on ne souffle pas dans les commentaires. On souffle pas le nom. Et c'est pour ça que vous voulez que je vous fasse un vlog. Comme ça. Alors peut-être que j'ai peut-être une meilleure idée. C'est-à-dire que je vais recorder mon main à la dashcam et je vais finir le vlog avec le téléphone. Bon, je le tiens. Si j'ai des bras, le tiendra à la main parce que voilà, Osef. Osef, il faudra justement que je débranche la ligne et. En plus, je crois que je vous l'avais dit sur Insta. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram, LeRoutier31. Déjà, merci, je vous avais demandé de défoncer la barre des 40 abonnés. Vous, vous l'avez fait. Maintenant, laissez 4. Voilà. Alors, d'ailleurs, je suis énervé parce que la semaine dernière, j'ai passé un endroit magnifique. Mais c'est là où je vous ai mis les dernière sur Instagram, c'est de Brasse de Moyo, ben c'était là-bas où j'avais pris les photos. Franchement, je voulais vous filmer, mais j'avais oublié de mettre ma carte dans la dashcam et j'avais vraiment pas envie de filmer mon téléphone parce que j'avais un mal de bras, mais impossible quoi, tous les virages qu'il y avait. Parce que oui, parce que, savoir, malgré nos métiers, j'ai toujours pas mal au bras, ça. Malgré le retour de force qui n'est quasiment pas existant, big up à Eurotruck là-dessus, à ETS2. Parce que d'ailleurs, il faudra que je réessaie de faire une vidéo dessus. Sauf que voilà, en ce moment, je joue sur la promode et la promode, ben, ça lag, hein. Ça lag énormément. Pour vous dire, des fois, je suis à. En FPS, ouais. Oui, ouais, en effet, ouais, ouais. Je suis à 1 FPS. Donc franchement c'est hyper what the fuck. Genre quand tu vois ça t'es en mode oh non. Du coup voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Là bon, on part direction Rebelle, on va rentrer à la maison. Et je vais passer la seconde semaine à Bourgoin-Jallieu. Je vais passer. Oui, d'ailleurs, big up à Kirby54. Hein, si tu regardes ma vidéo, je te fais un énorme coucou. Hein. Et refais-le un petit Kirby Play sur Fortnite. Ce serait cool. Bon, mais là pour vous dire, on a 11 km à ce que je vois sur cette route là. Donc, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je vous laisse et que je vous mets de la musique en fond? Où est-ce que je vous reprends? Oui, la boîte de vitesse qui graisse, ça fait rager. Où est-ce que je vous reprends? Sortie de l'autoroute, 1 km avant de sortir de l'autoroute. Oui, je vais vous faire ça. Donc là, je vais couper, je vais faire quelques kilomètres sur l'autoroute, même quelques kilomètres, bien une heure quoi. Et on se retrouve à 1 km avant de sortir. Allez, ciao. Donc là, bon, j'avais voulu vous vlogger 1 km avant de sortir, sauf que ben, j'étais au téléphone. Du coup, je me voyais mal, soit couper l'audio montage, soit proposer un truc complètement pourri avec la conversation derrière. Je rétablis ça. Donc là, bon, j'ai passé un peu plus de 60 km en off. Donc j'étais sur l'autoroute hein, comme dit. Enfin, l'autoroute bien vu que c'est gratuit, lol. Et donc voilà, là on se dirige en direction de l'autre. Je pense que je vais tout vlogger étant donné que c'est dans 22 km dédié big up au panneau. Et parce que c'était marqué quoi, ne soyez pas stupide. Ok, alors toi, on va mettre en avion. Voilà. Parce que bon, on est dans un tunnel, bon, ça sert à rien. Ça sert à rien que ce soit activé pour le mettre en avion et. Voilà, il va moins consommer de batterie. En plus, ce thème est hyper
depuis que je l'ai acheté, il consomme que dalle. Franchement, la batterie elle me dure plus de 2 jours à chaque fois. Quand je n'en sers pas, donc forcément quand je roule là. Vu que faudra que quand je roule, c'est rare quand j'ai mon téléphone connecté. En général, il est déconnecté pour éviter la tentation en fait. C'est ça, franchement, qui est le plus dangereux pour là. C'est pas le fait de téléphoner votre en fait, donc c'est l'avoir devant le nez en fait, ça divise les yeux et du coup ça fait de la tentation. Après, c'est mon avis, j'admets que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Et donc voilà, bon, forcément, j'ai fait graisser plus de 3 fois la boîte de vitesse encore, mon Dieu, celle-là on va la péter les rails, franchement. D'ailleurs, je pense que vous allez me demander pourquoi dans le car bloc 2 je m'étais fait les strikes alors que dans l'autre bloc c'était pas le cas. Je vais vous expliquer. Cette voiture là, c'est ici. C'est ici le haut-parleur. Au niveau de la petite. Alors que dans la voiture où j'étais, quand j'ai fait le car bloc 2, c'était là. Oui, vous avez vu un petit peu ma main, mais bon, j'avais pas 3000 de changer là. Le cadrage en caméra est bon, hein, ne jugez pas, ok. Voilà, là, ça fait bizarre de voir le soleil. De toute façon, là, on descend, nous. Là, le point net est. C'était en contrebas, mais personne ne l'a vu. Et du coup, voilà. Là, franchement, on va bientôt arriver. Un petit peu me reposer, je pense que je vais m'arrêter faire un changement de conducteur parce que là c'est plus possible. Je suis cané, j'ai un peu plus quoi, j'ai presque pas dormi de la nuit. Parce que oui, j'ai fait un petit peu la teuf hein, quand même. J'étais avec mes potes hier. Donc voilà. Bon, là par contre, je vais me dire, mais le régulateur il en peut plus. Juste pour ça d'ailleurs que vous entendez la voiture gueuler si fort. Et voilà. Non mais là, les commentaires ils vont avoir une haine contre Citroën, hein, franchement. Avec oh mon pète des boîtes de vitesse de merde. N'importe quoi. Voilà. Non mon Dieu, allez, 2 km dans 2 km, on va. Je fais la retro. Allez, peut-être une petite transition stylée. Moi, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais une transition stylée ou est-ce que je le laisse comme ça? Sachant que j'ai une idée pour les prochaines vidéos, je risque de. Maintenant que je suis un peu plus expérimenté au niveau du montage, c'est faire 2 vidéos du même voyage. Autrement dit, je couperai, par exemple, si je fais deux régions, je vous ferai une vidéo par région. Mais en gros, à la fin de la première partie, je ne ferai pas l'outro. En fait, ça va être vraiment de l'express. Je ne vais pas me faire yesh à tout faire, ouais, mais après ça va me prendre énormément de temps à produire parce que après le disque dur, voilà, que j'ai, hein, c'est pas un SSD, hein, je tourne encore sur un 5400 tours des familles. Bon, je vais pas dire quand je mets 5400 tours, j'arrivais pas à le dire, bon, ça m'énerve quand je perds les mots. En plus, c'est tout le temps à cette heure-ci, vu qu'il est 14h27. Parce que oui, j'ai encore oublié de régler ma caméra à l'heure. J'ai complètement zappé. Ça y est, donc là, normalement, on est plus sur 50 tunnels pour le moment. Et. Est-ce que je fais pas cut et genre je vous reprends pas en France?
plus tête en l'air des fois. Mais on se retrouvera à la Jonquière parce que on va me dire Jordan, t'es un peu bête, pourquoi tu passes pas la frontière à Bourg-Madame? Je vais vous expliquer. Déjà la neige, j'ai pas de chèque, du coup je sais pas. Je sais pas du tout s'il y a de la neige. Et ensuite, voilà, j'avais envie de changer quoi. Sans compter que. Ça, vous le savez pas vous, mais moi je le sais maintenant, je vous le dis. Je vous avais dit au début de la vidéo que je rentrais chez moi. Mais non! Vous vous êtes fait avoir comme des gros caca de l'animal de votre choix. Je pars direct à Bourg-en-Jallieu. C'est pour ça que je peux pas raconter. Ah, sinon, je l'aurais passé avant, je suis pas stupide. Oh, allez. Un petit peu par contre, ça sent le fût. Ça sent le feu à 3 km. Allez, je vous laisse, on se retrouve en France. Ok, bon, mais re encore, hein, donc. Non, hein, je t'ai pas censé. Tu sais. Ouais, ça, c'est bon. J'étais pas censé vous remettre la vidéo là, sauf que je sais pas si vous voyez. Là pas pour moi, là, qu'on prend le virage, mais regardez. Ben oui! J'ai eu des années, vraiment, je trouvais ça magnifique. Je pense que même je vous mettre le petit extrait vidéo que j'ai fait. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, ben, je pense que. Moi, ouais. Je sais pas si je commence à vous le faire de suite ou. Bah, je lâche. Non, ouais. Non, là, je vais cut. Donc on se retrouve à la Jonquière tout de suite. Donc là, cette fois-ci, on est au bon endroit. On est après la Jonquière. Là, on se dirige en direction de la frontière. Alors, pourquoi je prends pas l'autoroute? Parce que j'ai envie de prendre la ligne nationale. Voilà. Faut trouver un parchemin, les gens. Quoi. Enfin, je parle. Comme ça, vous serez heureux dans votre vie. Donc là, bon, on est en train de remonter. J'espère qu'on va pas avoir d'incident. Ce qui est déjà mal parti. Je vais vous expliquer. C'est tout simplement parce que. Comment dire, Maps m'a indiqué qu'il y a un problème. Alors il a crié, mais j'étais en off en fait. Ça y est, on dépasse le petit autocar. Comme ça, vous aurez une meilleure vue. Bon, là, c'est facile, là, vraiment, c'est la radio, donc ça a un peu mal capté. Mais on s'en fout! On s'en fout! Donc là, il est dans 1 km, on est en France. Et c'est là qui m'a dit des trucs. Ah non, j'ai rien dit. Ah non. Attends, non, c'est des voitures. Non, en fait, il m'a dit des choses fausses en fait. Ouais, je me suis fait avoir tel le caca de l'animal de votre choix. Moi, j'aurais dit le caca d'un aigle. Parce que vous savez que mon animal préféré, c'est l'aigle royal. Cherchez pourquoi. Devinez pourquoi j'aime ça. On va bientôt arriver en France. Ouais, bon, c'est vraiment problématique. Donc là, on monte. Hein, bon, je vais pas vous skip. Hein, parce que vous allez me dire, truc chose prête. Voilà, d'ailleurs je vois sur la station française, là qu'on est passé en France. Non, c'est le. Il y a pas là. Ah, il y a le. Voyage 177, on a l'habitude. Avec toutes les années que je roule, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, hein, du 177. On connaît la chanson. Bon, allez, hop. Avec la musique de Christophe Maé tout de suite pour les prochains kilomètres. Ah, merci, ouais. Je vais tout
le... Bon, on va laisser un peu qui s'est fait, mais... Bon là, bon, j'ai eu le temps de me reposer un petit peu. Je viens de postillonner, super. J'ai eu le temps un petit peu de me reposer avant... Avant le tournage, oui, la voiture... Je veux pas être nu. De quoi? Le moteur. Sérieusement. Voilà, donc là, c'est tous les magasins à monter. Tout ça... Alors je vais vous baisser un petit peu la fenêtre. Ça c'est fait mon dieu. Bon, je vais quand même refermer la fenêtre à cause de la pollution. Parce que j'ai pas envie d'avoir des poumons mais pétés en fait, hein, soyons honnêtes. Bon, pas pété à la mode. Moi qui dis que j'ai le temps de me reposer, je baille à mort. Mon pas mort à la. Ah non. Je vais bien me poser. Par contre, c'est dommage parce que ce matin il fait super beau, mais quand je dis beau, c'est vraiment super beau. Et puis là il fait tout gris, c'est dommage. Je vous dis franchement, je voulais faire un soleil, mais vraiment étincelant. Ouais, ça suffit. Allez, ouais. Allez, j'ai laissé passer mon collègue, mais pas toi. Ah, en fait, c'est pas vrai, lol. On va monter, je vais peut-être vlogger le col et en plus on arrive à la fin de ce petit carlog qui va être probablement scindé en deux parties. Non, je vais pas vous scinder en deux parties carrément, je vais vous faire un vlog carrément la Catalogne. Comme ça c'est fait, voilà. Alors la Catalogne, j'ai quand je parle de Catalogne, j'ai inclus les Pyrénées-Orientales dedans. Ça c'est à ça savoir quand même. Bon, le clair, ouais, rouge, là, là, oh, ça y est, là, on est vraiment en France, là, vu qu'à un moment, on était à moitié en France, à moitié en Espagne, mais là, c'est bon. L'autoroute là-haut, super. Enfin, vous la voyez pas, mais moi, je la vois, en tout cas. Pour aller jusque là, franchement, du Pertus pour mes limites, partir en Espagne et remonter. Tu veux prendre l'autoroute, c'est logique. Bon, ben là, je pense que je vais finir ce vlog parce que j'ai vraiment besoin d'être au calme. Donc voilà. Abonnez-vous comme d'habitude hein, si vous voulez. Mettez pouce bleu parce que si vous mettez pas de pouce bleu, non seulement vous aurez des problèmes dans votre vie. Mais non seulement le gazon va devenir plus cher, mais t'es loupé, elle vous sentir bien. Mais attends, mais tu t'es pris pour la cagoule ou quoi moi-même? Alors oui, la cagoule c'est un youtubeur qui fait des parodies de chansons que je suis. Hein, je vous laisse aller vous abonner. Le lien n'est pas dans la description. Raison,
j'ai pas envie. Et j'ai surtout une flemme, mais vous savez pas comment quoi. J'ai vraiment la flemme de tout, c'est un truc de dingue.